Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue ici au gymnase Daniel Narcisse de la Possession, où dans peu de temps, eh bien, va se disputer la deuxième demi-finale du tournoi de handball masculin. Vous l'avez certainement suivi en direct cet après-midi sur Réunion Première. La première demi-finale a vu la victoire des Mahorais aux dépens des Seychellois. Et bien maintenant, nous allons entrer dans cette deuxième demi-finale avec la Réunion en bleu et l'équipe donc de Madagascar en rouge. Pour la commenter, cette deuxième demi-finale avec moi, toujours notre consultant Fred Valermi. Fred, bonsoir. Bonsoir, Johnny. Réunion Madagascar, on l'attendait en finale. Beaucoup d'observateurs, beaucoup de spécialistes disaient ça sera la fille de la finale. Mais on les retrouve aujourd'hui en demi-finale avec pour la sélection de la Réunion. N'ayons pas peur des mots, obligation de résultat. C'est sûr, mais comme quoi dans le handball, comme dans d'autres sports, hein, rien n'est acquis à l'avance, dans le sens où les Mahorais ont déjoué un petit peu ces pronostics et ils méritent leur place en finale par rapport à leurs résultats. Et nous, à La Réunion, ben, c'est à nous de faire nos preuves pour mériter cette place en finale. Alors, on va juste avant le début du match, on va voir la composition des deux équipes avec... Pour la sélection de La Réunion, eh bien c'est Franck Poirot qui commencera dans les buts en joueur de champ. Donc Joanne Etève, c'est l'autre gardien. Il y aura Franck Poirot dans les buts. Il y aura également Grégoire, Calixte, Lorion, Budel, Arthur et certainement Laurent Gontier. Et puis les remplaçants, les autres joueurs de La Réunion, Bourceau, Nabucodonosor, Charlette et puis Antoine Machy. Sans oublier Grondin, le Saint-Andréen. Voilà pour La Réunion. Eh bien, l'équipe de Madagascar, les noms sont très longs, ne vous diront peut-être pas grand-chose. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, mon cher frère, c'est que c'est une équipe qui en veut et qui a promis un vrai combat contre La Réunion. Ben, ils veulent bien sûr se qualifier pour la finale. Ils ont des excellents joueurs, du potentiel physique et handballistique. Et ça va être un match comme nous le aimons. Ils ont dit, c'est un combat qu'on va mener contre cette équipe de La Réunion annoncée, il est vrai, un grandissime favori. Un mot sur la paire d'arbitres qui officiera. Eh bien, c'est une paire d'arbitres mauriciens, monsieur Jason Carpouran et Stéphane Douce. Voilà, les présentations sont faites. Les acteurs sont sur le terrain. On va pouvoir entrer donc de plein pied dans cette deuxième demi-finale. Alors, qui de Madagascar ou de La Réunion croisera Mayotte en finale demain, finale prévue également en direct sur Réunion Première? Eh bien, on va le savoir dans un peu plus d'une heure. Et ce sont les Malgaches, ici en rouge, qui vont engager. Alors que côté réunionnais en défense, donc voilà, on retrouve Franck Poirot dans les buts. Guillaume Deron, là, Guillaume Bourceau, Calix, Laurent Gontier. Voilà, Calix Romain qui sera le capitaine de cette équipe de La Réunion. C'est parti donc pour cette deuxième demi-finale. Alors Madagascar qui a été battu lors de son premier match contre Mayotte. Un premier tir, mais ça passe à côté. Madagascar qui a été battu un peu à la surprise générale lors du premier match contre Mayotte et qui aura à cœur de se racheter. Laurent Gontier, premier but pour La Réunion. Laurent Gontier, un contre un. Vu comme ça, ça paraît facile, mais c'est travaillé, mon cher Fred. Exactement, il a bien vu qu'il y avait des espaces pour jouer son 1 contre 1, c'est tout ça qui est important, hein. C'est pas le 1 contre 1 lui-même, c'est les espaces qu'il a vus dans la défense, et comme le Malgache le fait aussi bien dans son secteur de jeu, donc ça fait une égalité parfaite sur 2 1 contre 1. Et ça fait un prêté pour un rendu, car Nasolotian pour Madagascar vient d'égaliser donc, après un très très bon moment sur le jeune Dimitri Grégoire, là qui s'est fait enrhumer par l'ailier Malgache. Un bout partout, on peut dire que cette deuxième demi-finale est très très bien lancée, Fred. J'espère que ça ne va pas durer parce que très vite il va se retrouver le pauvre sur le banc de touche, hein, parce que de la part de Fernand, je pense qu'il s'attend à ce que les joueurs se restent concentrés, surtout au début de ce match. Avertissement pour le numéro 20, Blaise Tovokeli, Madagascar, qui a retenu donc le poignet de Romain Calix. Ce sera un jet de 7 mètres pour la Réunion. Et ce sera Adrien Arthur qui se présente donc sur le point pour le tirer. Adrien Arthur face au capitaine Organes Rockinson.
Une feinte pour embarquer le gardien et le but d'Adrien Arthur. La Réunion qui mène 2-1. Il est encore et toujours avec nous, Pascal Taillamé. Pascal Taillamé, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir Johnny. Alors il a fallu faire un choix côté Shankun et pour l'instant et c'est Ranguin et Loïc Samkaufrev qui sont sur le banc ce soir. Tout à fait, avec un Ranguin qui est effectivement un petit peu souffrant, qui a une douleur au niveau de l'aine. Donc il ne sait pas s'il pourra être demain avec le match. Et ainsi le troisième but renouvelé. Et vous dire aussi que les Réunionnais ont donné un petit fanion à leur camarade et homologue malgache. Voilà un deuxième but signé Adrien Arthur là, qui commence très fort cette deuxième demi-finale. Les Réunionnais en tout cas ont entendu et surtout lu ce que les Malgaches ont dit. Et à coup sûr dans leur rôle de favori, ils assument parfaitement ce rôle de favori. Maintenant il faut l'assumer sur le terrain pour l'instant. Ça prend bien le chemin, 3-1 pour la Réunion. Les Réunionnais sont plutôt bien entrés dans cette deuxième finale. On le voit surtout dans leur comportement défensif, hein. À part la petite bavure du départ, on voit un groupe qui est homogène, qui reste vraiment concentré sur leur défense. Et ça commence à poser un petit peu des problèmes aux Malgaches, qui tournent beaucoup autour, mais qui ne s'approche pas de beaucoup dans la défense. Et encore un tir puissant là du numéro 14 malgache qui se reprend à deux fois. Il a tenté de lober François Rome, mais super barré du gardien réunionnais. On a vu ces malgaches, hein, on a vu sur, même si le but n'y est pas, on a vu la puissance, toutes les qualités athlétiques donc de ces joueurs malgaches, même si on sait que sur le côté peut-être stratégique, tactique, ils sont peut-être moins bons que les réunionnais. Ben c'est sûr qu'ils ont des éléments vraiment de gros calibre, hein, parce que ce John, cet arrière gaucher tireur, il y a beaucoup de clubs à La Réunion qui auraient bien aimé l'avoir dans leur effectif. Hein. Et pendant ce temps, Bertrand Bourceau a marqué le quatrième but réunionnais après encore une belle action, une formidable relation entre Romain Calix, le capitaine, et Bertrand Bourceau. Les deux garçons jouent ensemble sous les couleurs de la JSB. Cela explique certainement cela. Et ça fait 4-1 pour La Réunion. Après 4 minutes de jeu, si vous nous rejoignez, eh bien vous êtes dans la deuxième demi-finale du tournoi de handball masculin entre La Réunion en bleu et Madagascar en rouge. Et pour l'instant, après 4 minutes 20 de jeu, La Réunion mène 4-12-1. Les arbitres ont bien cerné le match aussi. Hein. Ils demandent à ce qu'il y ait vraiment un respect des règles. Ils sont exigeants et je pense que voilà, c'est très bien. Il y a une faute de la part de Romain. Non, je trouve que c'est une paire qui progresse. Ça montre bien que avec du travail, tout le monde peut y arriver. Attention Romain quand même, là il y a eu un geste défensif répréhensible. Et encore John Luciano là qui monte et qui tire. Et encore un arrêt de Franck Poirot. On sait que Franck Poirot dans un grand soir, eh bien, il peut être. Il peut, comme on dit entre guillemets, déconcerter tout adversaire. Et là, il a fait deux arrêts d'affilée sur deux tirs du grand John, là, du gaucher malgache. Et c'est, si je me trompe, c'est son deuxième jeu des îles. En 98, il était déjà dans le groupe de La Réunion. Avec Frédéric Budel là, qui s'est arraché. Il avait été un peu retenu, mais bon, il s'est arraché pour aller inscrire ce cinquième but. Les Réunionnais, on peut le dire, mon cher Fred Valamé, sont bien entrés dans cette deuxième demi-finale. Oui, pour l'instant, ils jouent sûr. Ils font des choses qu'ils ont préparées. Ils respectent le projet de jeu. Et puis, les éléments comme Frédéric, Calix, font la différence. Hein. Voilà. Voilà, on est bien monté côté Réunionnais. On est bien monté sur l'ailier. L'arrière malgache, pardon, c'était Éric Lorion là qui défendait sur le dénommé Erinaina. Voici, dans le rôle du meneur, donc le fameux numéro 5 malgache, à savoir Jean-Mathieu. Attention, les arbitres ne vont pas tarder à lever la main. Voilà, petite faute. Passage en zone. Passage voilà. En zone, donc. Et ça va repartir pour les Réunionnais ici en bleu avec sur la zone d'arrière Frédéric Budel d'un côté, Romain Calix de l'autre et à la main Laurent Gontier sur les ailiers Adrien Arthur et Dimitri
Grégoire avec Bertrand Bourceau au poste de pivot. C'est un départ de Nier, redoublement du pivot. Romain Calix qui pénètre avec Fred Budel. C'est dommage, c'était une action très bien préparée. Bon, je pense qu'ils vont recommencer tranquille. Voilà. Surtout ne pas se presser, prendre le temps. Relâchons là. On a Calix là qui a voulu. Qui joue un peu facile, hein, dommage, parce que c'est une passe qui peut se faire autrement. Hein. Là, c'était un peu compliqué. Là, Laurent Gontier qui tente l'un contre un, qui tire, mais il y aura une faute sur Laurent Gontier, très bien défendu, côté malgache. Parce que c'est des actions individuelles. Hein. Tant que ce sera des actions individuelles, il faut qu'ils restent dans le projet collectif. C'est comme ça qu'ils auront plus de facilité pour manquer des buts. Hein. Laurent Gontier là qui rentre dans la. Qui s'enferme même dans la tenaille malgache et sera un jet de 7 mètres pour. Défense en zone, encore une fois. Défense en zone donc des Malgaches et sera un nouveau jet de 7 mètres pour la Réunion. Et c'est encore une fois Adrien Arthur qui s'y colle. Il avait réussi le premier, va-t-il réussir le second? Arthur face au capitaine malgache. Cette fois-ci, il tire direct et c'est but. 3 buts pour Adrien Arthur en ce début de match. Et ça fait 6 buts à 1 pour la Réunion contre Madagascar dans cette deuxième demi-finale. Ben, c'est un début de match idéal pour l'équipe de la Réunion. Hein. Ils mettent aussi bien les Malgaches en difficulté sur leur défense. Et en attaque, ils sont patients. Ils trouvent des solutions. Voilà, comme ils montent la balle tranquillement. Ça défend bien. De l'arrière malgache, on a vu Laurent Gontier qui est monté. Il y a toute une stratégie qui se met en place entre les défenseurs et les gardiens de but. C'est un truc qui a été travaillé avec Fernand. Ça veut dire que on l'entend encore qui parle là. Et Fernand il sait qu'il y a des tireurs hors pair. Hein. Romain Calixte avec Fred Butel. Oh là là, une faute grossière là, des Malgaches, là, une tenaille. Qui s'est fermé face à Fred Budel. On espère que dans sa chute, le Portois ne s'est pas blessé. En tout cas, exclusion donc pour le numéro 13 là, qui s'est pas retenu. Ouais. Voilà, il y a une poussée là au niveau du torse. Voilà pourquoi on veut plus quand un joueur est en haut qu'il soit poussé. Souvent c'est 2 minutes directement, voire plus. Hein, si c'est vraiment. Parce que c'est tellement. Il n'a pas ses appuis au sol et c'est difficile pour garder l'équilibre. Et on retrouve Adrien Arthur au point du jet de 7 mètres. Cette fois-ci, il refait la feinte et il marque. Troisième pénalty réussi par Adrien Arthur. Son quatrième but personnel et la Réunion mène 7 buts à 1 après 9 minutes de jeu. On a notre Guillaume Joly régional. C'est notre Guillaume Joly. Trois pénaltys sur 3. Bon, lui joue un peu plus que Guillaume Joly, c'est vrai. Mais pour l'instant, il est en belle réussite. En tout cas, début de match très sérieux, très appliqué des Réunionnais. Ce qui explique pour l'instant eh bien, l'avance au score. Voilà, encore une très bonne défense là, des Réunionnais qui ne laissent absolument pas les Malgaches. Attention, il est tiré direct, un peu trop vite d'ailleurs, l'arbitre mauricien. Et Franck, toujours concentré. Il est comme Franck Warouille, le gardien, il est comme le vin, il se bonifie avec le temps. Vous le disiez, il était là en 1998 et encore toujours là. Je pense qu'il est encore meilleur cette année encore qu'en 98, hein, parce que. D'où la référence au vin. Voilà, exactement, j'ai bien compris. Avec le temps. On commence à te connaître, je dis. Hein. Et quand on parle de vin, je sais que dans notre cas, Régie, il y a des gens qui s'y connaissent. En tout cas, on revient à cette deuxième demi-finale avec John, là, qui cette fois-ci. Et bien sûr, pris toute la défense réunionnaise, il est parti, il est monté, le grand gaucher, et il a trouvé la faille. Ça fait 7 à 2 pour la Réunion contre Madagascar. Oui, il ne faut pas lui laisser trop d'espace parce qu'il a un bras super puissant. Et puis, comme Franck a très peu de renseignements sur ses formes de tir, ses modes de jeu, il fait très attention. Il y a eu également, on peut le dire, une petite hésitation là, face avec petite hésitation des deux Réunionnais qui étaient face à lui, il en a profité. Exactement, il a vu la faille, il a foncé dedans. Voilà pourquoi c'est un joueur très intéressant, parce qu'il regarde, il prend l'information. Et bien décalé pour Adrien Arthur. Et lui, et bien dans son rôle d'ailier, je peux vous dire, comme finisseur, il n'y a pas mieux. Adrien Arthur qui inscrit son cinquième but. Il est parti, mon cher Fred, pour nous faire un match de feu, Adrien Arthur. Exactement, hein, c'est un très bon finisseur.
Et lui, tant qu'on lui donne des ballons, lui aussi s'est bonifié au fil du temps. Et maintenant, il arrive vraiment à avoir un taux de réussite au tir super intéressant. Super efficace, en tout cas pour l'instant, Adrien Arthur, meilleur marqueur du match avec 5 buts. Coup franc pour les Malgaches. John qui va monter. Calix était monté également défendre. Et il y a Réunionnais qui sera expulsé. Bien voilà, c'est Romain Calixte qui est parti un peu trop tôt défendre sur le grand John. Et comme il avait déjà eu un avertissement, c'est logique qu'il se retrouve avec un 2 minutes. La Réunion en infériorité numérique, est-ce que ça va? C'est très solidaire, ça va. Il compense l'absence de Romain par un flotte, ce qu'on appelle un flottement, il flotte bien, voilà. Et la contre-attaque avec, attention à la faute, là. Et Adrien Arthur qui continue son récital et son festival. Voilà. Et l'arbitre mauricien là, qui sanctionne également l'intervention qui pouvait être dangereuse du Malgache. Par oui, même si ce n'est pas intentionnel. Mais quand c'est faute, hein. Il faut préserver l'intégrité des joueurs, hein, parce que sinon... ça deviendra difficile. Alors, mon cher Pascal, suivez bien, parce qu'on a vu que... Alors que... C'est la deuxième fois que le petit... Bronze se fait prendre de vitesse. Hein. Voilà, il a voulu jouer, il a voulu jouer avec au plus malin, mais c'est le Malgache qui était plus malin. Hein. Il déborde Grégoire sans trop de soucis, Nassolotian. Pour marquer le troisième but, alors qu'on a vu un Réunionnais sortir en boitant. Il faut surveiller tout ça, espérer que ce ne soit pas trop grave. Laurent Gontier, Fred Budel en puissance et en force, Fred Budel au-dessus de la défense malgache pour inscrire le 10e but réunionnais. Ah, cette fois-ci, il a bien défendu le jeune Dimitri Grégoire. Mais non, il n'a pas bien défendu. Il a utilisé ses bras pour pousser. Mais il faudra qu'il se remette dans le match parce qu'il n'y est pas du tout. Hein. Il n'y est pas du tout, il n'est pas concentré. Et je pense pas que Fernand aime tout ça. Hein. Parce que, voilà. Super barré encore une fois, une belle parade de Franck Ouarot, alors que la Réunion se retrouve à 4 joueurs de champ contre 5, après donc l'exclusion pour 2 minutes de Dimitri Grégoire. Fred Budel revient sur le terrain. Alors les 4 joueurs sur le terrain, 4, allez on va dire 3 arrières et un ailier avec notamment Ludovic Gondin. Ludovic Gondin qui est un petit peu ménagé actuellement, hein, par Fernand, parce que il a des problèmes de cheville. Oh, magnifique! Qui n'empêche pas d'aller chercher des ballons très haut. Mais bon. Magnifique ce kung-fu entre Saint-Andréen là. Voilà, c'est Laurent des choses. Gontier pour travailler dans son club. Gondin. C'est magnifique. Voilà. Spectaculaire, réunionnais. Si en plus ils y mettent la manière, eh bien c'est magnifique. Alors que. Et John, pareil, même action. Même action. Il prend l'information. Il y a le défenseur qui ne monte pas. Ben lui, il va au shoot. Hein. Et comme il a un bras super intéressant, il sait placer ses ballons. Et ben ce qui fait que. Les Malgaches marquent leur 4e but. Et au tableau d'affichage, eh bien, ça défile pour l'instant. Après 14 minutes de jeu, la Réunion mène 11 à 4 contre Madagascar. Adrien Arthur. Attention, Adrien Arthur, Fred Budel. Décalage était bien fait. Malheureusement, la passe imprécise. Et c'est John qui part en contre-attaque. Et il marque. Voilà, on en revient à la même question que vous disiez, à la problématique. Seul, ça sera compliqué. Exactement. Chaque fois qu'on sort de notre projet de jeu, on est en difficulté. Ils savent comment il faut jouer à 5 contre 6. Ils ont travaillé, il faut mettre en place, c'est tout. Et les Malgaches qui refont un peu de leur retard. 11 à 5 maintenant le score. Avec Fred Budel, Laurent Gontier, Adrien Arthur. Adrien Arthur encore une fois là qui tente d'y aller tout seul. Là. Il faut lâcher. Comme lui dit son coach Fernand Chankin, il faut lâcher ce ballon. Entrée du jeune Charlotte. Le fils à Michel. Laurent Gontier, Ludovic Gondin était venu. Voilà. Alexandre Charlette au poste de pivot désormais. Laurent Gontier à la main. Fred Budel. Ludovic Gondin. Fred Budel.
avec Guillaume Desrans, Laurent Gontier, c'est bien décalé, oh, dommage, dommage, il a un peu hésité là. Hésitation coupable d'Adrien Arthur alors que c'était une action très bien préparée, très très bien préparée, il y avait de l'enchaînement dans les actions, chacun savait ce qu'il y avait à faire. Dans le travail de fixation, il fallait lâcher, dommage, ça se termine par une passe dans les pieds d'Arthur. Alors que sur le terrain, eh bien, Guillaume Desrans Johnny est entré, tout comme Nicolas Nabucodonosor, côté réunionnais. Oui, Pascal. Oui, effectivement, ça peut vous dire que déjà, on commence un petit peu à gérer, à faire planer, peut-être pas gérer, attention, à faire planer, effectivement, le niveau des réunionnais. Et vous dire aussi que Franz Hanekun fait preuve de pédagogie. Hein. Il discute beaucoup avec Grégoire, là, que vous disiez qu'il avait un peu loupé son début de match. Il a beaucoup, beaucoup parlé avec Grégoire depuis son banc. Et pour l'instant, a priori, le jeune Grégoire se refait une petite santé sur le banc. Merci, mon cher Pascal. On rappelle que cette sélection de La Réunion est coachée par Fernand Chancun et Bertrand Morville. Laurent Gontier avec Ludovic Grandin qui aurait pu aller tout seul, là, mais il a été altruiste, il a voulu jouer avec Adrien Arthur. On a entendu la voix de Fernand Chancun résonner dans l'espace. Engage-toi, a-t-il dit à Ludovic Grandin. Allez, coup franc pour La Réunion avec Charlotte Alexandre. Gontier, Ludovic au 9 mètres, percutant et puissant. Comment l'aime voir jouer ce Ludovic Grandin ? Eh ben, il y a un travail de préparation qui le met dans les bonnes dispositions. Et lui, comme c'est un shooter en pair, eh ben, il termine le boulot. Hein. On le voit là, il monte très haut, il est carrément au-dessus de la défense malgache et il perfore la défense et le gardien malgache pour porter maintenant l'avance des Réunionnais 12 à 5. Ce qui est un petit peu logique, hein, vu la physionomie du début de rencontre. Alors on est sur le camp de Madagascar, mais c'est bien Fernand Chancun qu'on entend. Et voilà Fernand Chancun. On va l'entendre. C'est pas le problème. Parce qu'on a tendance à trop attendre. Monte, oblige le demi-centre à tirer. Le gardien, il faut le reste d'ailleurs. OK ? Allez. Ensemble. Voilà, super boulot. Ce que Fernand a demandé surtout, c'est que les deux tireurs que sont John et l'arrière gauche, ce ne soit pas eux qui prennent les chutes. Et il insiste pour que les deux numéros de défense montent très haut sur les tireurs pour amener le demi-centre à prendre ses responsabilités. Et comme ce n'est pas un shooter, donc bien souvent, donc ça veut dire que c'est un dispositif travaillé avec une stratégie. Non, c'est super ce qu'on voit. Hein. On voit bien le travail de Charlotte là. Voilà, là il va toucher. Voilà, il n'est pas allé toucher. Il ne va pas toucher, c'est but. Hein. Oui, la défense. Ça, c'est des principes, encore une fois, des principes fondamentaux. Hein. Un peu en retard là sur ce tir de Erignana. Voilà, ça va être leur relation. Les Malgaches qui commencent à durcir un peu leur défense. Tentative donc contre-attaque. Et lui va aller, lui. Hein. Et il y va. Lui va aller, petit numéro 11. Et oui, il y va. Il ne paye pas de mine, mais il est efficace. Et oui, c'est son troisième but. Il est très intelligent, là, et il prend bien l'intervalle. Et il met bien le ballon où il faut. Hein. C'est le troisième but de Nassolo Tiane pour Madagascar, qui revient à 7 à 12. Allez, petite baisse de régime, là, côté réunionnais. On a vu sur la défense, on a vu sur la phase d'attaque précédente, pour mettre un peu d'ordre dans tout ça. Fred Budel. Oh là là, c'est très, très bien fait. Fred Budel qui a enrhumé son vis-à-vis pour les marquer. J'ai envie de dire, Fred Valéamé, c'est vraiment une action typiquement Budel. Oui, qui a une très bonne lecture du jeu. Hein. Il y a quand même le demi-centre qui croise de son dos, qui laisse penser qu'il va faire un croisé. Et lui, il voit bien que le défenseur ne défend pas. Et ben, il va au but. Hein. C'est le principe de jeu qui est très intéressant. Voilà. Attention à ce John là, voilà. John qui trouve son pivot, qui trouve le deuxième pivot, mais ce sera. En tout cas, les arbitres mauriciens intransigeants. C'est Ludovic Grandin qui est exclu pour 2 minutes. La Réunion se retrouve à 5 contre 6. Il va falloir réorganiser donc cette défense à 5. Côté malgache, on a fait entrer un pivot plutôt robuste. John qui décale son ailier.
C'était encore un bel arrêt là. Belle tentative de Nassolo Tiana et encore un très bel arrêt de Franck Grandin qui fait une première mi-temps jusqu'à maintenant. En tout cas, arrête pas parfait mais presque. Oui, il fait son job hein, et il essaie de mettre son équipe dans les meilleures conditions en défense. Pour l'instant, il réussit pas mal de choses, ce qui montre bien que c'est un des plus bons gardiens qu'on a à La Réunion. Hein. Si ce n'est le meilleur avec Romain Calix là qui s'est arraché donc. Mais c'est pareil là. Malheureusement il a tiré au-dessus, mais ce sera... Il y a une petite faute. Allez. Et qui n'explique pas ce genre de tir parce que il a des qualités physiques pour se rééquilibrer, pour prendre la information dans son duel. Hein. Il faut qu'il reste concentré. Et voilà, il repart. Et là, on l'a bien accueilli, on a plutôt bien accueilli là, Romain Calix, forcément. On n'allait pas le laisser faire. Des joueurs qu'on a besoin, parce qu'ils arrivent à provoquer ce type de faute par leur contraint, par leur engagement, et qui souvent permet à notre attaque d'être en supériorité numérique. Allez, La Réunion maintenant en position d'avantage avec Romain Calix qui perd sur la défense et qui, visiblement, il y avait une faute. Signalé par l'un des arbitres mauriciens. La contre-attaque mal gâche. Bonne défense de Laurent Gontier. Bel arrêt derrière de Franck Grondin. Allez, bon retour défensif des Réunionnais. Et les Malgaches qui continuent à aller vite. Ouais, pas très très vite. Là, Laurent Gontier, il a été pris de vitesse justement par le dénommé Narindra Jean-Mathieu qui marque. Alors qu'il avait juste à faire un pas en avant pour aller toucher l'attaquant. Attention, les Malgaches grappillent au fur et à mesure leur retard. On en est maintenant 13-8. 13-8 pour La Réunion. Allez, il y a 5-5 à jouer. Arthur, Fred Budel qui avait pris le meilleur, malheureusement. Tir hors cadre. C'est ce qu'il fallait faire. Il a fait ce qu'il fallait faire, mais bon. Dommage qu'il ne croise pas. Attention, il ne faut pas laisser jouer là. La défense réunionnaise qui est restée un peu statique alors que l'arbitre n'avait pas encore sifflé. Allez, ça reste un coup franc pour Madagascar. Attention, on a vu les Malgaches se rebuffer depuis 3-4 minutes là. Attention, il faut resserrer les rangs en défense côté réunionnais. On a vu côté Malgache des ailiers. Ce côté gauche là qui est très très fort, hein, très performant. Côté droit, pardon. Belle défense de Laurent Gontier. John face à Romain Calix. Bonne défense du capitaine réunionnais. Voilà, là c'est super intéressant ce qu'ils font là. Bon, c'est sûr qu'ils sont à 6, mais... Allez, obstruction sur... Il y a de l'entraide en défense. Les arbitres ont levé la main. Il va falloir tirer vite côté malgache. Et c'est John qui prend le tir. Et c'est... Un joli tir. C'est sur le bas du montant début de Franck Poirot, mais c'était bien croisé, un très beau tir. Attention, on se percute sur le terrain. Guillaume Desrons, oh là là, magnifique! Est-ce qu'on va certainement revoir ça, notre réalisateur Patrick Mirlo, qui adore le handball, regardez-moi ça. Et ça s'appelle une roucoulette. Joli, je te reconnais plus. C'est magnifique. Non, c'est vrai. En plus, c'est placé là où il faut. C'était l'occasion rêvée de le faire. C'est important aussi de faire ce genre de gestes techniques, mais quand il le faut, et non pas en prenant des mauvaises habitudes juste pour le faire. Là, c'était adapté à la situation. Et oui, but superbe de Guillaume Desrons, et ça va faire plaisir à sa maman et collègue Liliane, Guillaume Desrons qui s'est arraché pour réussir cette formidable roucoulette et permettre à La Réunion de reprendre un peu d'avance au score. 14-8 maintenant à 8 minutes de la fin. Madagascar en attaque avec John. Grosse défense des Réunionnais encore. Ils savent que ce côté droit est très performant. John qui monte et qui tire et bel arrêt. Encore une superbe parade de Franck Poirot. Ah, il faut y être, il faut suivre. Hein. Car avec John, ça va très vite, Fred. Ça va très vite, mais bon, le problème, c'est que il commence à comprendre que souvent, c'est des coins longs qu'il recherche. Là, il a placé un peu haut. Mais s'il ne change pas ses tirs, Franck a déjà lu sa façon de tirer. Hein. Il faudra qu'il modifie un peu ses trajectoires. Hein. Et super barré cette fois-ci du gardien et capitaine malgache face à Fred Budel et la contre-attaque. Et but pour Madagascar.
Ça court, c'est vraiment le jeu typique des Malgaches. Et ça court même très vite, j'ai envie de dire. La projection vers l'avant, ce qui est très bien dans le handball parce que c'est spectaculaire de voir des gens courir, de voir des gens aller porter le danger très vite dans le camp adverse. Une contre-attaque menée vitesse grand V par Erin Aina. Attention les Réunionnais, il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. Guillaume Desrangs, une nouvelle fois, cette fois-ci, il bute sur le gardien, capitaine Madagascar. Et ça repart aussi vite. Ça court. Oh là 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 là, ils viennent de nous réussir. Deux superbes contre-attaques là, les Malgaches. Avec ce petit, ce diable du numéro 11 là. Nassolo Tiana, très vif, très rapide. Et qui maintenant semble avoir trouvé la faille auprès de Franck Waro là. Ils sont malins, ils placent les ballons là où il faut. Non, c'est un match qui est loin d'être terminé. Alors, intervention de l'arbitre mauricien pour calmer un peu un défenseur malgache qui avait peut-être un peu trop tendance à accrocher Alexandre Charlette. Et ça repart pour la Réunion en attaque avec Calixte. Romain Calix, Fred Budel au 9 mètres, qui monte, qui tire. Magnifique. Ça paraît simple, mais bon, il faut le faire. Eh oui, Frédéric Budel dans toute sa splendeur, là. Allez, Romain. Ne tombe pas dans le jeu de... On va la revoir, regardez. Il monte, là, il est très haut. Et puis, la puissance qu'il met dans son tir, eh bien, le gardien malgache, il n'y peut absolument rien. Et la Réunion qui mène dans cette deuxième demi-finale, 15 à 10. Et oui, à la clé, il y a une place pour la finale. Une finale à jouer contre Mayotte. Mayotte qui s'est qualifiée tout à l'heure. C'était contre les Seychelles. Une victoire 28 à 25. Mayotte qui sera deux fois présente en finale de ce tournoi de handball chez les filles et chez les garçons. Alors qui rejoindra les Maorés. Ah, Fred Budel qui s'est fait chipper le ballon par John. Et John ne laisse aucune chance à Franck Waro. Là encore, il y a des petits moments d'hésitation comme ça qui peuvent coûter cher, Fred Valiami, C'est très vite pris en compte par les Malgaches, hein, parce que eux, chaque fois qu'il y aura des occasions pour mettre les ballons au fond, ils ne vont pas se gêner. Hein. Voilà. Ça, c'est Franck Waro. Et Alexandre Charlette, oh là là, qui le gardien a stoppé le ballon du visage. Peut-être arrêter un peu cette partie, le temps que le gardien... Il a été très costaud, là, sur le capitaine et gardien malgache. Attention à John, là, il y a l'espace devant lui. Allez, les gars, pèse la défense. Pèse la défense. Et oui, on entend bien. Fernand Chancun, là. Et une nouvelle exclusion côté réunionnais, celle de Romain Calixte. Voilà pourquoi il faut qu'on reste concentré. Parce que c'est des types de matchs qui peuvent très vite se retourner par rapport au sport surtout. Attention, Ludovic Gondin qui a défendu haut. Voilà, ce sera un nouveau coup franc pour Madagascar. Et Madagascar là qui déroule et qui joue leur matou. Allez, passage en force. Ils ont mis un pivot qui est quand même un balèze, hein, qui prend de la place, qui coupe la défense en deux et qui pose problème à nos défenseurs parce qu'il tient bien sur ses appuis, le numéro 21 là, et c'est une jolie baraque. À nous de le contourner, de ne pas se faire bloquer pour essayer d'être en équilibre par rapport au Malgache. Attention, allez, la Réunion en infériorité numérique avec John. Bien. John qui décale pour son aidé, qui va aller au but et qui prend Franck Waro encore une fois à défaut. Les Malgaches reviennent dans cette demi-finale, encore une fois, en passant par les côtés. Et là, c'est Yvon qui vient de trouver la faille que dans la défense réunionnaise et les Malgaches qui reviennent à 12 à 15. 3 buts d'écart et
J'ai envie de dire presque de colère. Là, on a vu Fernand Chancune, l'un des entraîneurs de cette sélection de La Réunion, demander son temps mort, et il serait très important d'entendre ce que Fernand Chancune va dire. Et à mon avis, les gars, ça va un peu souffler dans les bras. On écoute. Non, je pense qu'il reste un contre un. Essaye pas, fait marcher un contre un fort pour essayer un deuxième. Ouais. D'accord. Essaye juste sous le bras tireur, peut-être. Olivier sous Frédéric. Et j'en fous. D'accord. Attire le numéro 2, bon. Juste sous le deuxième numéro 3. Hein. Ouais. Côté droite ici. Ouais. Attire le deuxième numéro 2, dégage. Bon, ok, sinon un pour aller où ça va. Hein. Ouais, ok, les gars. Allez, nous 3 joueurs. Voilà, il reste dans des considérations techniques, ce qui est ce que les joueurs ont besoin actuellement. Hein. Ça sert à rien d'aller les gueuler dessus. Et ils font un match intéressant. Il faut qu'ils restent dans leur projet. C'est que tout ça, ce que Fernand essaye d'apporter, on est en surnombre. Voilà ce qu'il faut faire, tout simplement. Et encore une fois, on voit bien toute sa pédagogie et comment il aborde ce manager-là à 5 contre 6. Voilà. Et oui, les Malgaches qui ont un peu haussé leur niveau de jeu dans cette fin de première mi-temps. Voilà. Les Réunionnais avaient commencé très très fort, mais les Malgaches sont revenus peu à peu dans cette partie. Et maintenant, à 3 minutes de la fin, eh bien, il y a seulement 3 buts d'écart, alors qu'à un moment donné, on avait compté 7 buts d'avance. Guillaume Deran, encore de l'imprécision là, dans le jeu réunionnais. Et regardez les Malgaches qui ne perdent pas de temps et qui s'en va de suite. Ah, ils ne perdent pas de temps, c'est toujours en vitesse, toujours en vivacité. Ah, peut-être passage en force, non. C'était à la limite. Limite du passage en force, attention, il y a un changement côté réunionnais qui s'est opéré, malheureusement. Et heureusement, derrière, qu'il y a Franck-Waron une première fois, mais pas la deuxième fois. Il se passe des trucs dans la défense réunionnaise, pas très très bien en ce moment. Ah, il y a un manque de concentration. Et la sanction est immédiate. Un manque de concentration, qu'on paye cash. Hein. Je veux dire, l'ailier de défense était déjà parti en contre-attaque et il ne s'est pas entendu avec son numéro 2. Donc obligatoirement dans la récupération, on est en difficulté. Et Madagascar qui revient 13 à 15 à maintenant 2 minutes de la fin. Allez, on espère un gros sursaut des Réunionnais avec peut-être Ludovic Grondin pour Bourso, encore une passe imprécise. Et Malgache en contre-attaque. Ouh là là, heureusement qu'il y a Franck Poirot pour retarder l'échéance. Mais c'était une balle de moins un pour Madagascar. Et Franck Poirot qui explose devant la toute son expérience et son envergure, hein, parce qu'il prend des angles et qui met le tireur en difficulté. Hein. Ah, maintenant ça passe plus du tout, hein, côté réunionnais, ils ont du mal. Parce que ça joue tout seul, ça joue individuellement. Ils sont sortis de leur projet, donc obligatoirement ils sont en difficulté, parce que dans les duels de 1 contre 1, les Malgaches ils sont pas mal. Là où on les a mis en difficulté, c'est quand on a commencé à bouger, à faire déplacer nos joueurs, à faire des appels dans le dos, chose qu'on ne fait plus actuellement. Madagascar qui a réorganisé, qui a solidifié sa défense. Le compteur réunionnais est bloqué à 15 depuis un bon bout de temps maintenant. Allez, peut-être sur cette offensive. Voilà, là on voit le départ. Voilà, on va devant toi. Guillaume Deran qui prend sa chance et qui marque enfin. Qui redébloque le compteur réunionnais. Guillaume Deran, son deuxième but personnel et le 16e pour La Réunion. Et derrière ce tir de John. Et bien repoussé encore une fois par Franck Poirot. Heureusement qu'il est là, Franck Poirot. Encore une fois, le défenseur du côté droite de la défense, il n'a pas pris en compte ce qui s'est passé tout à l'heure. Hein. Il était déjà parti en contre-attaque. Et le ballon, là c'est pas mal en défense. C'est pas mal, c'est pas mal, mais attention, ça se désorganise. Voilà, c'est solidaire. C'est bien revenu et ce petit Ce petit numéro 11 malgache, eh bien, il est dans tous les bons coups. Et là, regardez, c'est passé encore un peu facilement là, côté malgache. Eh bien oui, Franck pensait que l'arbitre allait siffler à marcher. Et malheureusement, il a laissé le dernier appui au sol retirer, ce qui a mis un petit peu en difficulté. Voilà, il reste 10 secondes. Il reste 10 secondes, deux buts d'écart en faveur de La Réunion. Fred Budel qui va prendre sa chance. Voilà qui décale Ludovic Grondin. Et belle intervention de la défense
malgache, on va s'arrêter certainement là. 16 à 14. 16 à 14 après les 30 premières minutes de jeu. Et une première réaction tout de suite avec Pascal Delamé en présence de Fernand Chancune, l'entraîneur réunionnais. Avec l'entraîneur réunionnais, Fernand, plus 2 à la mi-temps. Votre sentiment après cette première 30 minutes? Bah, il y a eu deux phases. Il y a eu une première partie où ça a été excellent. Et puis on s'est un peu endormi, je crois, en croyant que le match était terminé. On voit bien qu'il est loin d'être terminé. À nous de reprendre un petit peu la deuxième mi-temps comme on a commencé le match. Merci. Merci Fernand Chancune. Peut-être voir côté malgache la réaction. Certainement, le staff malgache doit être satisfait, surtout de la deuxième partie. Deuxième partie du match de leurs joueurs. Et oui, les Malgaches qui ont fait une formidable remontée au score pour revenir à 14-16, soit à deux petits buts désormais. Donc, des Réunionnais, Pascal Taillamé en compagnie de l'entraîneur malgache qui doit être satisfait de la fin de mi-temps de ses joueurs. Oui, avec le coach malgache. Le coach, j'imagine que vous êtes satisfait. Plus, moins deux à la mi-temps. Finalement, vous êtes dans le coup, satisfait de la prestation de vos joueurs? Oui, jusqu'à maintenant. Donc, le fait que c'est le demi-finale, c'est un match très important pour nous face à une grande équipe, parce qu'on connaît bien la prestation de l'équipe réunionnaise. Nous, on essaie de faire le mieux, profiter l'erreur de l'adversaire. C'est ça notre stratégie, donc, à ce moment-là. Deuxième mi-temps, quelles sont vos consignes, quel est votre message pour les joueurs là? Non, les consignes, ça reste uniquement pour notre stratégie, mais on va voir. Confiant en tout cas? Oui, j'ai confiance en mes équipes, hein, parce que nous, c'est ça notre force, cette confiance-là. Merci beaucoup. Eh oui, Fred Valermé, vous l'avez entendu, la confiance règne plus que jamais côté malgache. Alors peut-être... 14 à 16, on a vu cette remontée malgache, Fred. Alors, est-ce qu'on peut dire que la sélection de La Réunion s'est un peu relâchée? On l'a bien vu. Il y a eu surtout un non-respect, entre guillemets, du projet que Fernand a demandé à ses joueurs. Hein. On est tombé dans de l'à peu près, du 1 contre 1, à tout va. Et ce qui a mis un petit peu les malgaches en confiance, comme l'a dit le coach. Et puis bon, le score reflète aussi le niveau aussi des deux équipes. Hein. On va pas battre le malgache de 15 buts d'écart. Donc je pense que c'est le match à quoi on s'attendait. Une nouvelle réaction côté réunionnais avec Franck Poirot, le gardien de la sélection de La Réunion. Avec vous, Pascal Taillamé. Et oui, avec le portier de la sélection de La Réunion. Alors Franck, plus 2 à la mi-temps. Votre sentiment, bien démarrer le match, et finalement c'est pas si simple que ça. Hein. Oui, je m'adage joue avec les valeurs qu'il faut pour pouvoir tenir et faire en sorte d'accrocher. Ils sont accrocheurs, il va falloir que nous on redouble d'efforts pour qu'on aille jusqu'au bout. Vous avez sorti également quelques arrêts dont vous savez le secret. C'était nécessaire en tout cas face à une équipe qui joue crânement sa chance. Hein. On est là pour ça, moi Johan et Loïc, pour pouvoir aider l'équipe. On est au service du collectif, donc j'espère que ça va aller pour la deuxième. Justement, un petit mot par rapport à cette deuxième mi-temps, quel est selon vous le message du coach? Là, je ne sais pas, il faut demander ça au coach. merci beaucoup. Voilà, bien tenté Pascal, mais bon. En tout cas, on rappelle le score à la mi-temps dans cette deuxième demi-finale. 16 à 14 pour La Réunion. La Réunion qui avait fait une entrée, fracassante, presque parfaite dans cette deuxième demi-finale, avant de voir revenir sur leurs talons, eh bien, de très très vaillants malgaches, Fred Valermé. Ah oui, ça on s'attendait, hein, parce qu'il y a du potentiel, il y a du jeu, il y a de l'envie, en plus il y a la confiance. Il faut qu'on reste vraiment dans notre jeu à nous. On fait ce qu'on sait faire et je crois qu'on n'aura pas de problème. Alors pour rappel, alors les infos concernant la finale féminine, on connaît donc l'affiche sera Réunion contre Mayotte. La Réunion qui a battu, alors que je retrouve un peu mes notes qui s'étaient imposées, les Réunionnaises qui ont dominé Madagascar 30 à 17, c'était cet après-midi, et les Mahoraises ont battu Maurice 23 à 15. Donc Réunion-Mayotte pour la première affiche. Quelle sera l'affiche de la finale masculine? Eh bien on va attendre encore, on sait que Mayotte s'est déjà qualifié, Mayotte qui a battu les Seychellois juste avant cette demi-finale, 28 à 25. On saura donc dans quelques instants qui rejoindra Mayotte en finale donc de ce tournoi masculin.
Et puis que dire d'autre si ce n'est que eh bien, ces deux finales, eh bien, les téléspectateurs, les Réunionnais, les Réunionnaises pourront les suivre en direct sur Réunion Première demain. Ce sera toujours en compagnie de Fred Valliamé, notre consultant adoré et bien sûr notre homme de terrain à tout faire, Pascal Taillamé. Du monde à côté de vous, Pascal Taillamé? Ben écoutez, j'ai à côté de moi, eh bien, on va essayer de trouver un peu les avantages de handball. Hein, un petit mot quand même sur cette prestation de l'équipe de la Réunion et de Madagascar. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ah, très beau match. Très beau match. Le clou de la soirée, de la journée, impeccable. Vous attendiez à ce qu'il n'y ait que deux buts d'écart entre Malgache et les Réunionnais à la mi-temps? C'est quand même serré. Hein. Oui, oui, tout à fait. Ouais, par rapport à ce qu'ils ont montré auparavant dans les matchs précédents, c'est normal. Il faudra que la Réunion s'adapte, trouve une solution. On a au bord du terrain, bien sûr, des connaisseurs, Johnny. Hey, beaucoup de connaisseurs. Hein. Donc, il faudra que la Réunion s'adapte, a-t-il dit. Il aurait pu demander l'avis de François Garcia. Alors, Pascal Taillamé, est-ce que vous avez entendu Fred Valliamé? On va, monsieur de la Fédération française de handball. Avec M. Garcia, alors un petit mot quand même cette première mi-temps. Plus 2 pour la Réunion. On s'attendait quand même à un match un peu plus facile, on va dire, des Réunionnais. Mais votre avis d'expert, qu'est-ce que vous en pensez, vous, cette première mi-temps? Ben, c'est tant mieux pour le spectacle. Hein. Je trouve que la partie qu'on vient de voir, la première mi-temps, a été magnifique. Hein. Donc très ouverte, pas beaucoup de gestes anti-sportifs, vraiment ouverte. Donc je trouve que c'est un beau spectacle. Un beau spectacle. Et vous attendiez-vous à une opposition aussi importante des Malgaches? Parce que tout le monde donne la Réunion favorite sur ce tournoi. Mais plus 2, c'est un peu inquiétant, non, pour la Réunion? Je ne suis pas surpris parce qu'en fait, l'équipe malgache a une très belle équipe. Et heureusement que le gardien de but de la Réunion a fermé le rideau, parce qu'autrement, le score ne serait pas le même. Voilà donc l'avis de M. Garcia, donc de la Fédération française de handball, alors que les deux équipes pénètrent à nouveau sur le terrain. Ça va repartir dans quelques instants, Johnny. Et il a complètement raison, François Garcia. S'il n'y avait pas eu cette belle partie de Franck Poirot dans les buts réunionnais, peut-être que le score ne serait pas le même. Peut-être qu'il y aurait eu égalité. Il faut absolument, mon cher Fred Valliamé, que les Réunionnais allez, se reprennent un peu dans cette seconde mi-temps. De toute façon, il y a un objectif bien précis, hein, et ça, c'est pas en le disant qu'on y arrive, hein, c'est en le montrant sur le terrain. Je pense que les joueurs en sont conscients et qu'en deuxième mi-temps, ben, ils vont tout mettre en œuvre pour que leur place en finale ne soit pas usurpée. Quoi. Voilà donc les joueurs malgaches et maoris sont revenus sur le terrain, les arbitres aussi, on va pouvoir à reprendre dans cette deuxième mi-temps. On vous rappelle le score après les 30 premières minutes de jeu, 16 à 14 pour la Réunion. Mais ça a été une première mi-temps très difficile, très compliquée pour les Réunionnais, notamment en fin de première mi-temps. Et les Malgaches qui nous ont montré eh bien, qu'ils étaient venus là eh bien, pour vraiment mener la vie dure aux Réunionnais et espérer bien sûr faire la surprise, bah pourquoi pas battre le Réunionnais à domicile et s'emparer de cette dernière place en finale qui reste. Ben c'est sûr que ils ont perdu contre les Maorés et ce soir ben c'est leur dernier espoir, je dirais, de se rattraper dans ce tournoi. Et je pense que jusqu'à la 60e minute, ils vont mettre tout leur cœur pour mettre au maximum les Réunionnais en difficulté. Et c'est reparti pour cette seconde mi-temps Réunion-Madagascar pour le compte de la deuxième demi-finale du tournoi de handball masculin. Il reste 30 minutes pour l'une comme pour l'autre équipe de faire le nécessaire pour se qualifier au final avec Fred Dudel. Et encore un superbe arrêt du gardien. Il est chaud, décidément, on l'a vu réaliser quelques parades phénoménales en fin de première mi-temps. Et là, eh bien, il est encore tout chaud, notre gardien Rock Hudson. Gardien et capitaine avec Romain Calix. Romain Calix avec Bertrand Bourseau, mais il y a un marché. Décidément, notre capitaine, il a un petit souci là depuis. Je dirais même un gros souci, hein, parce qu'il est en train de se regarder jouer. Hein, et c'est pas de ce type de comportement qu'on a besoin dans cette équipe. Hein, il faut qu'il se viande sur le terrain comme les Malgaches le font. Hein, parce que c'est pas dans ces conditions qu'on va faire les résultats. Hein, et ça, je pense que tu le sais très bien. Et voilà, encore une fois, décidément, il n'y est pas, Romain Calix, il a du mal. Mais bon, on le connaît, hein, et on sait qu'il va sortir quelques
quelque chose dans ce match, hein, parce que il y a tellement d'expérience de ce type de match. Et on retrouve les Malgaches en position d'attaque. Oui, il y a une 2 minutes. Shot d'Éric Lorient là sur le virevoltant numéro 11 là. Toujours le même. Là, c'est un contrat, là. Il nous mène la vue dure. Il mène la vue dure au Réunionnais. Et là, il a provoqué la faute d'Éric Lorient. Conséquence, la Réunion se retrouve à 5 contre 6. Belle intervention de Bertrand Bourceau. Maintenant, il faut marquer. Voilà. Voilà, ça, il ne tremble pas, Bertrand. Bertrand, c'est du sérieux, c'est simple et c'est efficace. C'est un petit peu le handball qu'on a besoin actuellement. Et la Réunion qui reprend 3 longueurs d'avance, 3 buts d'avance, avec un Niasolo là qui a tenté peut-être un truc un peu compliqué, un peu difficile là. Et ben, ça montre bien qu'ils sont en confiance. Hein. Attention à John qui décale son ailier. Encore un bel arrêt de Franck Poirot qui est resté dans les buts réunionnais. Eh oui, connaissant Fernand, je ne pense pas qu'il va prendre des risques. Hein. Quand on a un gardien qui est entre guillemets en chaleur, ce qu'on appelle ça dans le jargon, il faut en profiter au maximum. Hein. Ah oui, c'était une superbe lecture là, regardez là. Il n'a pas mordu, il n'y a pas de feinte, mais en tout cas il a été. Il a bien vu la trajectoire, voilà, c'est exactement ça, Johnny. Allez, on va repartir. Allez, il faut que Romain se réveille un peu. Un petit peu de serpillère. Qu'il dynamise un petit peu cette attaque-là, parce que là, on est à un rythme où on aura du mal à mettre les Malgaches en difficulté. Il faut que le ballon vive plus vite. Chacun son tour porte le ballon. Voilà, il faut y aller, Avec Romain Calix qui oublie le ballon en cours, mais il le récupère. Ah, décidément, Romain, allez, on a besoin d'un capitaine solide, là. La Réunion a besoin de son capitaine solide. Pas hésitant avec Laurent Gontier. Laurent Gontier des rangs. Non, Romain Calixte. Fait but d'aile. Décalage est parfait. Voilà. Ça, c'est bien. C'est ce Calixte-là qu'on préfère. Voilà, c'est un très bon travail de Romain, là, qui fixe bien les défenseurs pour lâcher un caviar à Frédéric Budel. Et oui, Fred Budel. Voilà, c'est le capitaine qu'on a besoin, là, pendant ces moments-là. Il faut qu'il se retrousse les manches et qu'il amène son équipe vers le Graal. En tout cas, bonne réplique d'Étienne Riquet côté Madagascar, le pivot là. Ah, et qui parvient à prendre le meilleur sur Fred Budel et à marquer. Au 6 mètres, score 18 à 15 pour Madagascar dans cette deuxième mi-temps. Romain Calixte avec Fred Budel, voilà, Bertrand Bourceau. Allez, on reprend notre jeu. Allez, il faut y aller. Faire des choses simples. Remettre voilà. Du rythme avec Fred Budel qui décale Romain Calix. On continue à travailler. Ah, dommage, là c'est trop facile, c'est trop visible. Il regarde. Magnifique! Heureusement encore que Franck assure derrière. Allez Romain! Et là il a presque emmené sur le ralenti, c'est lui qui emmène. L'acte tireur malgache dans sa fin, j'ai envie de dire. Mais c'est tout un an, c'est tant d'années dans le niveau qui permet aujourd'hui à ce type de gardien de faire des actions de cette envergure. Ah, c'est bien joué, ça fera de Budel pour Laurent Gontier. Et il y aura un jet de 7 mètres pour la Réunion. Mais là encore, très belle relation. Voilà, tout ce qui est jeu avec le pivot, base arrière, pivot. Et nous amène soit des 2 minutes, soit des jets de 7 mètres, soit des buts. Alors il faut en profiter. Hein. Et comme la caméra s'attarde sur les deux hommes en gris et noir du terrain, eh bien, voilà. On peut le dire, hein, les arbitres, la paire mauricienne fait également très belle prestation. Pour l'instant, ils s'en sortent pas mal. Hein. Adrien Arthur face au deuxième gardien malgache. Et Adrien Arthur marque. C'est son 7e but personnel, on ne l'avait plus vu depuis un certain temps. Là, il avait enchaîné les jets de 7 mètres en première mi-temps, il s'était un peu éteint et là il revient. 19 à 15 pour la Réunion. Après 35 minutes de jeu. Et ça aussi c'était bien fait. Encore Franck Poirot là qui est à la parade. On n'y est pas en défense là. C'est trop facile sur une petite action comme ça, on se fait déborder. Ça veut dire qu'on a un manque de concentration qui n'est pas normal. Quoi.
Exactement. Là, il... Mais c'est pas passé loin. Hein. Oui, mais il y a du travail quand même de Gontier là qui utilise sa carrure pour prendre de la place et empêcher le pivot de gagner sa position. Ça, c'est très intéressant. Allez, La Réunion en attaque maintenant. Voilà, on a une défense qui est un peu haute. Moi, je pense que les ailiers vont essayer de prendre une entrée de... C'est bien fait, voilà, ça aussi. Attention, Guillaume Deran. Ouais. Guillaume a tendance à trop garder le ballon. Il faut qu'il lâche plus vite son ballon. Et la fixation est bien faite. Voilà, on travaille. Allez, Laurent voilà. Qui s'arrache. Laurent Gontier, encore un bel arrêt du gardien et capitaine malgache. Ce sera 2 minutes contre le petit numéro 11. Je pense que sa sortie pendant 2 minutes va faire du bien à la défense réunionnaise parce que c'est un garçon qui est vraiment dans tous les bons coups malgaches. Très intrépide, très vif. Allez, La Réunion en position... Oh là, qu'est-ce qui se passe ? Une balle qui est sortie à l'extérieur. Ah, là encore une petite négligence là. Ah, c'est un manque de concentration. Hein. Allez, il faut le match n'est pas fini. Hein. Il faut rester dans le projet. Voilà. Là, ça joue, c'est bon. John. Ah, il faut les fermer de côté. Avec John à 9 mètres là, puissant mais. Encore une bonne lecture de François Rowe dans les buts pour détourner le tir de l'arrière malgache. Tant qu'il y aura des tirs de point long, quand il est placé de ce côté-là, Franck va l'attendre. Hein. Frédéric Budel avec Romain Calix, son capitaine Laurent Gontier. Allez, il faut travailler, on est à 6 contre 5. Voilà. Frédéric Budel, Romain Calix pour Fred Budel, Laurent Gontier. Allez, le tir Costal bien repoussé. Et il nous fait un début de seconde mi-temps assez exceptionnel, malgache là. Alors Ganes Rockinson, Fred Budel qui est pris dans la tenaille malgache. Et ça défend côté malgache. Ah oui, ils sont en train ils ont envie. Et nous on joue encore trop facile là, on a encore trop de joueurs qui gardent le ballon. Voilà, c'est ça bien. C'est bien joué. Avec Bertrand Bourceau. Voilà. Très bonne relation. Romain Calix, Bertrand Bourceau. Eh oui, hein, ils ont été tellement longtemps ensemble dans leur club de la JSB et ils se retrouvent les yeux fermés. Et oui, les deux garçons ont évolué ensemble, comme vous le disiez, sous les couleurs de la JSB. Depuis, leurs chemins se sont croisés. Désormais, ils évoluent dans deux clubs de l'Est différents. Madagascar à l'attaque. Ouais, ça joue vite. Attention, ne pas se laisser avoir. John qui tire, c'est bien contré par Laurent Gontier. Mais l'ailier malgache qui réussit encore un superbe but là cette fois-ci. Eh bien, Franck Poirot qui était déjà en déséquilibre, eh bien, il n'a rien pu faire là sur ce tir. C'est joué très intelligemment. Divon. Ah, c'est bien fait. Même si on aurait pu noter un petit appui. Oui, ben, on va dire. Un petit appui zone peut-être. Pour la beauté du geste. Allez, on ne va pas chipoter. On va pas chipoter. C'était spectaculaire. Voilà. Priorité au spectacle. Voilà. Et le score 20 à 16 pour La Réunion après 39 minutes de jeu maintenant. Romain Calix pour Laurent Gontier qui laisse filer pour Adrien Arthur. Adrien Arthur, Laurent Gontier. Attention là qui est. Et le A qu'on a entendu, eh bien, c'est Fernand Chancun hein, qui enrage après. Il y a toujours un petit geste en plus qu'on peut, je pense. Ah, encore une petite erreur là de Romain Calix, là, visiblement. Non, c'est plutôt Bertrand qui... Bertrand Bourceau. Oui, qui a dû faire un passage en zone. Voilà, c'est le genre de petites erreurs qu'il faut absolument gommer pour éviter de sacrer des agréments, car avec ces malgaches là... On leur redonne un ballon d'attaque, c'est tout ça. Parce qu'on leur redonne un ballon d'attaque alors que nous, on avait le ballon. À ce jeu-là. Voilà, c'est bien défendu Eric Lorion sur Fiacre. En touche, on dit encore, c'est bien encore défendu de la part de Laurent Gontier qui a levé les mains. Il y a du très bon travail de contre qui est mis en place. Hein. Et
ça montre bien qu'il y a une concentration. Attention, tiens, heureusement, il y a le poteau là pour sauver Franco Arroyo et la Réunion. Le contre-attaque, la contre-attaque avec Adrien Arthur. Eh oui. Qui perd le ballon. À la fin, voilà, qui perd un petit peu le ballon. Et de l'autre côté, ce sera un jet de 7 mètres pour Madagascar. On ne fait pas le pas qu'il faudrait pour aller toucher, donc obligatoirement on se retrouve dans les 6 mètres et souvent ben, ça se traduit par un jet de 7 mètres. Allez, Joël Etève qui remplace Franck Grondin pour essayer donc de stopper ce jet de 7 mètres qui va être tiré par Fiacre côté malgache. Allez Johan qui en impose. Hein. Qui en impose, mais bon, c'est bien tiré. Sur le mauvais pied d'appui. Et voilà les Malgaches qui recollent à 17 à 20. Franck Poirot revient dans les buts réunionnais. Et on retrouve la Réunion en position d'attaque. Avec Bertrand Bourceau au poste de pivot. Un petit départ d'allier, un redoublement du pivot. Romain Calix pour Laurent et Bertrand Bourceau. Ah, très efficace Bertrand Bourceau, très efficace. Double sanction pour les Malgaches. But et exclusion temporaire pour le numéro 13. C'est des fautes bêtes. Il est en retard parce qu'il n'a pas vu le départ d'un attaquant. Ben, il pousse sur le dos. Ben, c'est normal que les arbitres le sanctionnent de 2 minutes. Quoi. Alors que s'il était un petit peu plus concentré, ben, les Malgaches auraient été à 6. Madagascar réduit à 5 joueurs de champ contre 6 au Réunionnais avec Fiacre. John, oh là là, il est parti dans le dos de la défense. Heureusement qu'à la réception de ce ballon, le Malgache avait été un peu imprécis, mais c'était encore bien joué. Il s'était faufilé dans le dos de la défense réunionnaise, là, qui s'était fait un peu avoir. Sans conséquence, heureusement. Ludovic Grondin revient en jeu et s'installe sur le poste d'arrière gauche. Le voilà, Ludovic Grondin. Laurent Montier, Frédéric Budel. Ludovic Grondin, Fred Budel, il aurait pu aller au tir là. Il a préféré donner. Oui, Pascal. Oui, juste pour vous dire que lorsque le joueur malgache est sorti, il vaut mieux pour lui que l'arbitre n'a pas entendu. Hein, parce qu'il a vu quelques noms d'oiseaux. À mon avis, il aurait pu avoir plus que 2 minutes. Hein, parce que là, ils sont un peu énervés là sur le banc malgache. Mais je pense que la confiance aussi change de camp tranquillement. Les Malgaches commencent à avoir confiance, commencent à y croire dans ce match. Hein. Ah, en tout cas, on espère pas que la confiance change de camp. Mais les Malgaches, depuis le début, hein, ils ont eu un petit peu de mal au début, mais depuis, ils se sont bien repris. Et là, ils jouent vraiment, regardez, à l'image de cet ailier-là qui... Voilà, encore une fois, on n'est pas concentré en défense. Hein. Là, on va avoir 2 minutes, je pense. Voilà. On va avoir 2 minutes, c'est logique. C'est logique, on n'est pas concentré en défense. Exclusion temporaire de 2 minutes pour Laurent Gontier qui s'en va de façon nonchalante rejoindre son banc de touche. Et on se retrouve en infériorité numérique. Non, ça veut du 5 contre 5 maintenant, mais pas pour très longtemps car Madagascar va récupérer son 5e joueur. Voilà l'arbitre mauricien qui est venu calmer un peu. On voit bien, on voit bien qu'il y a faute, il n'y a rien à dire. Allez, ça repart avec Fiacre. Fiacre, Blaise et haute. C'est une belle intervention de Fred Budel, mais l'arbitre mauricien a vu une faute réunionnaise. Allez, Blaise. Blaise pour Fiacre. Mais encore, attention, c'est bien défendu. Voilà, là, c'est intéressant. En plus, on sait pertinemment que le petit demi-centre, il ne va pas tirer de loin. Donc, il va venir sûrement faire ses 1 contre 1. Voilà. Là, on est bien, là, en défense, on est bien. On a bien défendu. Les arbitres ont levé la main. Magnifique, non. Non, il était déjà. Il était déjà en zone. Voilà. Mais ils y étaient encore, les Malgaches, là. Oui. Au bout du bout, comme on dit. Mais voilà, départ à l'opposé, dans le dos des défenseurs, qui est souvent un problème parce que si on n'est pas concentré. Quoi.
Allez, Frédéric Budel qui reprend son poste à l'heure, à l'arrière. On est à 5 contre 6. On sait ce qu'il faut faire. Voilà. Et Ludovic Grondin qui lance. Voilà. Voilà, ça c'est des choses simples qui a été travaillé, qui a été mis en place. Ça veut dire que quand on respecte les consignes, les on est pas mal. On est pas simple mal. Et efficace. Et là c'est pas mal non plus. Hein. Voilà. Là c'est Adrien Arthur qui s'est fait un peu prendre par. Oui, parce qu'on n'est pas concentré, on revient en défense. Numéro 6 là. Voilà. On revient en défense, on regarde l'attitude. On n'est pas en situation de défendre. On est présent, mais sans avoir vraiment les intentions de défendre. Les malgaches, ils profitent. Hein. Un but malgache signé Zonia Zoel. Fred Budel qui monte, qui décale Ludovic. Oh là là, il y a une main au visage là. Voilà, l'arbitre a vu. Sanction immédiate. Le malgache ne bronche pas. Il accepte la sanction. Alors qu'il reste un quart d'heure à jouer dans cette deuxième demi-finale, La Réunion mène 22 à 18 face à Madagascar. Romain Calix avec Ludovic Grondin. Frédéric Budel, Ludovic Grondin. Là, ça se joue entre arrière. Frédéric Budel pour Bertrand Boisseau qui s'arrache. Oh, magnifique encore. Et bien sûr, ça, c'est on a un des meilleurs pivots de l'île. Il faut l'utiliser, hein, la preuve. Hein. Il montre bien par sa puissance et son intelligence qu'il faut qu'on lui donne des ballons, hein, parce que ça, il sait faire. Hein. Là, il s'est arraché des griffes, Magas, c'est la pour. C'est son métier, ça. C'est ça, être un pivot. Petite perte de balle malgache de temps à autre, c'est rare dans cette seconde mi-temps. À 23-18 désormais, à 14 minutes de la fin. 23 pour La Réunion, 18 pour Madagascar dans cette deuxième demi-finale. Et ce qui est bien aussi, c'est que l'équipe de La Réunion a coupé un petit peu les jambes aux malgaches, hein, en jouant sur un rythme tranquille, il n'y a pas trop de montée de balle. C'est un faux rythme, on dirait ça. Hein. Et ce qui réussit bien aux Réunionnais, parce que ça empêche les Malgaches de développer leur jeu de contre-attaque. Et pour l'instant, 6 buts d'avance, ça montre bien que c'est efficace. Le dernier but réunionnais est signé Frédéric Budel. John là, qui est allé, non c'était Fiacre. Tout va bien, là, voilà. Le même physique. On monte tranquillement le ballon, on fait des changements. Voilà. Et on prépare l'attaque suivante. Encore pendant ce temps, le temps. Le chrono défile. Et voilà, exactement. Ludovic Grondin, Romain Calixte. Voilà. Rotation d'arrière. Ludovic Grondin, Fred Budel qui monte, Titi. Et deux encore. Le deuxième d'affilée pour Frédéric Budel. Et celui-ci aussi, il est magnifique. Il est beau. Oh. Ouais, très bien les gars, on a entendu Fernand Chacune, voilà. Mais qui calme de suite les ardeurs. Voilà. 25 à 18 désormais pour La Réunion contre Madagascar. Les meilleurs buteurs pour l'instant, eh bien, ils sont réunionnais. Frédéric Budel et Adrien Arthur avec chacun 7 buts d'inscrits. Bertrand Boursault, le pivot, en est à 5. Côté malgache, eh bien, c'est le petit numéro 11, Nassolo Tian. Et le numéro 14, notre bien nommé John Luciano, avec 4 buts chacun. Mais rien n'est terminé, rien n'est encore terminé dans cette deuxième demi-finale. Il reste encore du temps, aussi bien pour les malgaches. Et connaissant les malgaches, mon cher Fred, on sait que jusqu'au bout, ils joueront leur chance et leur va-tout. Voilà pourquoi il faut que nous, on reste dans notre façon de jouer. Hein. Là, je pense qu'on a repris un petit peu le jeu à notre compte. On fait des choses qu'on connaît, on sait faire. Et on le ressent dans le résultat. Hein. On est à 25-18. En 10 minutes, on a pu retrouver notre façon de jouer qui est très intéressante, à condition qu'elle soit respectée par les joueurs. Allez, Madagascar en attaque avec Fiacre. Et puis en défense, il faut continuer à être agressif sur les Malgaches parce qu'eux, ils ne vont rien lâcher. Ils vont continuer à aller au but.
Voilà, c'est ce que demande Fernand. Ah, une perte de balle. Ah, une faute de Guillaume Deran. Oui. Bon. Pas très évidente peut-être, mais oui, l'arbitre était bien placé. Il était à même pas un mètre. Oui. J'ai de 7 mètres pour Madagascar qui va y aller. C'est Fiacre, le numéro 18, qui se présente face à Franck Poirot. Oui, Johnny. Oui, Pascal, on va attendre d'abord le jeu de 7 mètres de Fiacre face à Vincent Poirot. Et il marque pour le 19e but malgache. Oui, Pascal. Oui, juste pour vous dire que suite à ces deux buts encaissés là, coup sur coup, le capitaine malgache a demandé à sortir. C'est lui qui a demandé à sortir. Donc un nouveau changement dans la cage malgache et nouveau gardien. On verra ce qu'il vaut celui-là. Et oui, le deuxième gardien qui s'appelle Harry Lala Elana. Rabari Joeli. Ça se voit qu'on a un peu de sang malgache dans nos veines. Ah, parce que... Oh là là, attention, Ludovic Grondin qui a raté le ballon. Bon retour de Romain Calixte, bon retour défensif. Très bien Romain, là c'est vraiment une action très importante parce qu'on a anéanti une occasion manifeste de but. Allez, il faut rester dans le projet, Jeanne, là qui est monté de très loin, là, je crois qu'il était à 10 mètres, 11 mètres. Oui. Romain Calix avec Fred Budel. Enchaîne. Voilà, il faut continuer à enchaîner. Guido Grondin qui décale Guillaume Deran. Là encore une fois, la passe n'était pas très bonne. Ah, et c'est le poteau qui sauve encore une fois le camp réunionnais. Il y a eu un peu de précipitation côté malgache. Ils étaient à 4, il y avait un joueur. Deux, il y avait bien le temps de. Mais bon, on n'est pas les seuls à faire des erreurs de passe et de choix. Hein. Je crois qu'il y a aussi un peu de fatigue. Ludovic Grondin désormais dans le rôle de demi-centre avec sur la base arrière Romain Calix qui est entré. Fred Budel qui monte et qui tire, il marque. En ce moment, eh bien il est stratosphérique notre ami Fred Budel. Eh oui, hein, ah, ça plane pour lui. Hein. Exactement, il est vraiment dans son élément. Il y a de l'espace, il peut prendre de la vitesse. Donc il prend son envol. Hein. C'est Fred dans ses œuvres. Hein. Avec encore une interception réunionnaise d'Éric. Très bonne défense, Et malheureusement, exclusion pour Frédéric Budel. Et nos arbitres mauriciens qui sont vraiment très bien. Rien ne leur échappe. Oui. Ils maîtrisent parfaitement cette deuxième demi-finale, comme la paire réunionnaise avait bien maîtrisé la. Non, pour l'instant, il y a aussi le coach, les coachs qui ont un comportement vraiment extraordinaire. Les joueurs, ils respectent les consignes. C'est vraiment un beau match, dans un bon état d'esprit, malgré l'enjeu. C'est quand même une place en finale du jeu des îles. Allez, avec Fiacre pour son pivot, il avait le pied en zone, c'est bien, c'est osé là de la part de Franck Poirot de lancer Adrien Arthur, et les Malgaches ont bien défendu. Voilà, c'était bien tenté et bien défendu en même temps de l'autre côté. Et côté Réunion, on va pouvoir préparer une nouvelle attaque. Avec maintenant Ludovic Grondin et Laurent Gontier sur la base arrière. Les deux Saint-Andréens, champions de la Réunion, faut-il le rappeler. Adrien Arthur, Dommage. Et il y a eu aussi des gestes... pas très sympa là côté malgache puisque Romain Calix est resté à terre et qui est le numéro 9. Étienne Riquet a été exclu pour 2 minutes. On espère que ce n'est pas trop grave pour le capitaine réunionnais. Alors on va voir ce qui s'est passé là au ralenti. On va bien. Là. Voilà. Allez. On voit bien. Mais bon. Les deux mains à hauteur donc de l'abdomen. Plexus, là, voilà, ça fait toujours mal. Hein. Mais bon, il n'y a pas vraiment une volonté de casser. Quoi, hein. C'est plus de. Ça vous coupe le souffle. Voilà. Allez, en tout cas, Romain Calix, le capitaine est allé. Oh, il a des abdos en béton. C'est vraiment un athlète. Allez, la Réunion est à 5 contre 6 maintenant. Non, plutôt 5 contre 5. Attention à John.
Voilà, c'est bien défendu. On a encore deux minutes là pour Ludovic Grondin et les arbitres mauriciens là qui ne font plus dans la dentelle. Merci. Chaque contact, deux minutes. Eh bien, comme les joueurs, ils ont aussi du mal à garder un certain niveau d'arbitrage. Hein. Surtout qu'ils n'ont pas beaucoup l'habitude d'arbitrer ce type de match. Et c'est un petit peu compréhensif, hein, parce que là, il n'y a pas... Ah, ils ont peut-être estimé, voilà, on voit c'est le tirage de maillot qui est sanctionné, là. Hein. Mais la main, si la main de Ludovic Grondin à hauteur du coup de... Voilà, il y a ça parce que... Du petit attaquant malgache, qui a quand même une différence de taille. De taille entre les deux joueurs, et bien ça a été sanctionné. Bon, côté réunionnais, on ne crie pas non plus au scandale, mais non. On est maintenant à 4 contre 5, ah. Et là... Un peu trop gourmand là, notre ami malgache, un peu trop gourmand là, il avait le décalage à faire. Ils étaient en supériorité numérique et il est allé à la faute. Il s'est fait avoir un petit peu là, parce que Arthur a bien joué le coup. Hein, et il a fait croire qu'il allait défendre sur les lits pour venir vite refermer l'intervalle. Allez, il va rester 8 minutes dans cette demi-finale. La Réunion mène 26 à 19. Romain Calix là qui tente, qui est passé, mais qui a été accroché donc en pleine zone. Le joueur malgache, Eri Pitayana, a été exclu 2 minutes et ce sera un jet de 7 mètres pour la Réunion. Et une fois encore, c'est Adrien Arthur qui va s'y coller. Bon, il faut que les arbitres comprennent que c'est un match de handball. Hein, que... Ah là, ça dégaine. Hein. Pour l'instant, ouais. Les arbitres moussiens, ces dernières minutes, ça dégaine. Hein, entre les cartons rouges et les cartons jaunes, pardon. Ils font ce qu'ils peuvent hein, et puis on va dire ça. Hein. Ah, c'est raté. Une deuxième chance. La deuxième est la bonne. Et la Réunion qui prend 8 buts d'avance maintenant à 8 minutes de la fin. Le score, vous le voyez, 27 à 19. Voilà. Bien défendu, c'est bien défendu, c'est bien. Adrien. Il attaque de l'attaquant, ça c'est bien comme comportement défensif. Voilà, il perd le ballon, le malgache à vouloir trop en faire. Et c'est parti, Fred Budel, allez, qui crochette, une fois à gauche, une fois à droite. C'est du Fred Budel dans ses œuvres. C'est spectaculaire à voir jouer, un crochet à droite, un crochet à gauche. Et à la finition. Fred Budel qui devient avec ce but le meilleur buteur de cette demi-finale avec 9 buts inscrits. Allez, la Réunion, on va dire, qui respire un peu mieux après une fin de première mi-temps assez compliquée. Mais qui est parvenu à se remettre dans le chemin, même s'il y a une petite erreur de marquage là. C'est toute l'expérience de ces joueurs qui ont accumulé pendant des années des matchs en finale de championnat de la Réunion. Et bien aujourd'hui, ils savent laisser la tempête se calmer un peu. Pour revenir dans le match. Et puis derrière, Franck il fait son job hein, dans le sens où il nous rend bien service lors de ces moments difficiles. Ce qui permet donc souvent à l'équipe de reprendre du poil de la bête. Allez, on repart pour la fin de cette deuxième demi-finale en vous rappelant que. Dans la première, eh bien Mayotte s'est qualifié aux dépens des Seychellois, 28 à 25. Et pour l'instant, eh bien, la Réunion est bien partie pour bien, Romain, rejoindre bien, Mayotte. Bien, allez, enchaîne. Romain Calix voilà. Avec Guillaume Deran. Et oui, très appliqué, Guillaume Deran pour inscrire le 29e but réunionnais maintenant, 10 buts d'écart à un petit peu plus de 5 minutes de la fin. Allez, vous touchez, vous c'est touchez. En bonne voie, mais c'est pas encore fait. Mais bon, avec un Franck Poirot toujours aussi. Attention là. Mais avec un Franck Poirot toujours aussi intraitable dans ses buts, eh bien la Réunion peut voir venir cette finale qui
Lui tend les bras. Ça y est, hein, les mais bon, restons concentrés jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Oui. Et surtout évitons les blessures, là on a vu un match tombé sur Johnny. C'est là dans ce moment où on a plus ou moins un match gagné, il faudra faire n'importe quoi parce que c'est demain le vrai match. Allez, temps mort demandé, alors temps mort, un des derniers temps morts donc, de cette partie. On va peut-être écouter Fernand Schenkun, l'entraîneur réunionnais. L'arrière, tu engages un peu vers le but. Sinon, le départ dédié ne sert à rien. Profite justement du moment où la balle est emmerdée dans la répartition pour pouvoir jouer dessus. D'accord ? Et après, c'est la solution dedans, c'est pas dedans, on joue dehors. D'accord ? Mais je ne vais pas 15 mètres. D'accord ? Le départ dédié à l'opposé, ballon. C'est clair. Les consignes, c'est encore une fois, c'est des trucs pédagogiques. Il faut qu'on reste dans ce qu'on a travaillé. Chacun a un rôle dans le dispositif. Et on sent bien le discours de Fernand, hein, que lui veut garder ce cap parce qu'il sait très bien que c'est demain que ces joueurs devront être au top de leur préparation. Au top de leur préparation pour une finale qui sera à suivre en direct sur Réunion Première, la finale masculine et la finale féminine. Et ça repart pour les dernières minutes de cette demi-finale avec Frédéric Budel pour la Réunion, Laurent Gontier. Attention, petit croche-patte involontaire, c'est pas méchant. Petite tape amicale entre les deux joueurs. On va appeler le Serpillero. Et on va pouvoir terminer tranquillement cette deuxième demi-finale. Menée pour l'instant de 10 points par la Réunion face à Madagascar. Mais ne pas trop se fier à ce score-là, car il y a eu des périodes où ça a été très très compliqué pour la Réunion. Exactement, exactement. Hein. Et je pense que Fernand, si je suis à tous ces moments-là, qui vont être repris. Hein, parce que il est tellement perfectionniste. Voilà, Laurent Gontier, Fred Budel, il n'a pas voulu donner le ballon à son pivot qui était libre là, dommage. Alors qu'il n'avait plus de vitesse, il n'avait plus rien. Allez, attention, ça va rejouer, non. Ça paraît encore un peu glissant. Un petit coup de serpillière. Et on va pouvoir repartir avec les Réunionnais. En position d'attaque, 6 Réunionnais contre 6 Malgaches. Alors que le capitaine malgache, le gardien, il est revenu dans les buts. Frédéric Budel, Laurent Gontier. Frédéric Budel, Laurent Gontier qui prend le tir et voilà. Oui, il fera pas un mauvais choix. La il preuve va jouer, qu'il est bien revenu. Il va jouer dans l'intervalle difficile, quoi, alors qu'il y avait beaucoup d'autres choses à faire. Allez, il faut rester encore concentré. Bon, comme tu dis, Johnny, ne pas avoir de blessure. Allez, doucement. Alors, on va calmer les choses. Voilà. Il y avait peut-être une possibilité de contre-attaque, mais Franck Couarot, en joueur d'expérience qu'il a préféré aller calmer tout ça et relancer tranquillement à maintenant 4 minutes de la fin. La Réunion mène de 10 buts, sauf catastrophe. On ne voit pas ce qui pourrait arriver de mal, en tout cas, cette sélection de la Réunion. Laurent Gontier, Ludovic Gondin, Fred Budel, là qui a vu le trou et qui marque. Voilà, c'est des actions. Et la course de Ludovic met le doute dans le choix des défenseurs. Et ce qui permet à Fred de véritablement prendre les informations et d'aller vers lui. Eh oui, à Frédéric Budel, il ne faut pas en laisser beaucoup. Il a vu la faille, il a vu le trou, il s'est glissé dedans. Voilà. Et après la finition, ça ne pardonne pas. Avec son bras gauche magique, bionique presque. Il va vous fusiller de près et généralement. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Et regardez encore là, il s'est levé. Malheureusement, il y a une faute, une défense en zone. Et ce sera un jet de 7 mètres pour la Réunion. Provoqué encore une fois par. Frédéric Budel, hein, qu'on peut consacrer MVP de cette demi-finale, hein, le meilleur joueur de cette demi-finale en tout cas. Je suis entièrement d'accord avec toi.
Il a tout fait, il a défendu, il a couru, il a tiré, il a marqué des buts, il a donné des ballons. C'est vraiment, c'est le Fred qu'on connaît. Hein. Toujours égal à lui-même, qui s'investit dans ce qu'il fait. Ah, il a voulu la jouer finement, là, Adrien Arthur, mais le gardien malgache ne s'est pas laissé avoir. John qui s'élève, ça a été contré par la défense. Contre-attaque franco-arabe maintenant pour Machi. Antoine qui fait sa première apparition pour un premier but. Antoine Machi qu'on n'avait pas vu depuis le début de ce match, qui est entré dans cette fin de match et là qui est bien sitôt rentré, sitôt buteur. C'est bien pour lui. Ah, c'est pas mal fait, regardez derrière. L'assurance tout risque, il s'appelle Franck Poirot. Et il relance de suite la contre-attaque vers Dimitri Grégoire. Le score 31-19 à maintenant moins de 2 minutes de la fin de cette demi-finale. On peut dire que maintenant, eh bien, la Réunion a plus qu'un pied, hein, on va dire 8 doigts de pied en finale. Oh là là, attention. Attention, la faute peut paraître grossière. Dimitri Grégoire se relève tranquillement, sans s'énerver. Et le petit numéro 11 qui nous avait tellement mené la vie dure, hein, Nassolo Tiana, qui s'est un peu éteint en même temps que ses autres coéquipiers, eh bien, il est exclu temporairement. 2 minutes. Voilà, dans le coup, on le voit bien, hein. Regarde, hein. Là, au lieu d'arrêter son action, il continue. Il est derrière. Il y a le genou du défenseur qui... Il ne lâche pas les treintes. Et Dimitri Grégoire, peut-être, pour son premier but. Il a eu du mal en début de match, notamment à défendre sur, justement, le petit numéro 11. Et Dimitri Grégoire qui va également de son but dans cette deuxième demi-finale. Le 32e but pour la Réunion. Et oui, la Réunion qui a fait l'écart dans cette fin de deuxième mi-temps. Eh bien, l'équipe de Madagascar s'est éteinte aussi. Hein, physiquement, elle s'est éteinte. Physiquement, hein, il faut aussi... parce qu'il y a quand même de la bonne viande derrière. Et après, pendant tout le match, prendre des coups, à un moment donné, ça paye. Hein. Et les spectateurs et les supporters de la Réunion, là, y applaudissent en chœur dans les gradins du gymnase Daniel Narcisse pour saluer cette victoire qui se dessine pour la Réunion. On joue maintenant les dernières secondes. Allez, il faut rester concentré. John qui tire et John qui trouve la faille. Voilà, un tir croisé, coin long. Et avec un rebond, c'est difficile. Hein. Voilà. Allez, les 30 dernières secondes, Guillaume Durand maintenant en demi-centre avec Ludovic Rondin. Là. Ah, dommage. Ah, il a mis le paquet, mais il a mis la puissance, mais il n'a pas mis la précision. Allez, les dernières secondes de cette deuxième demi-finale. Je pense que les handballeurs maorais sont désormais fixés sur leur adversaire. En finale, un dernier tir à la Desperado. Et c'est terminé. Victoire de la Réunion, 32-20 dans cette deuxième demi-finale. C'est donc la sélection de la Réunion qui affrontera Mayotte en finale du tournoi de handball masculin. Ce sera demain, ce sera en direct sur Réunion Première. Une première réaction de suite avec Fernand Chanquin. Avec Fernand Chanquin, Fernand, le métier a été fait, on va dire, finalement 32-20. La Réunion a répondu présent, vous êtes en finale. Ouais, on a fait une très mauvaise deuxième partie de première mi-temps. Ça a permis à l'équipe de Madagascar de revenir au score à moins 2. Et on s'est appuyé sur une très grosse défense en deuxième mi-temps. Je crois qu'on n'a encaissé que 5 ou 6 buts. C'est ça qui a fait la différence. On a perdu beaucoup moins de ballons aussi en attaque. Voilà, je pense qu'on on mérite cette victoire, on mérite notre place en finale. Avant de jouer une finale, le coach Maoré disait il veut retrouver la Réunion finale, il veut lancer des défis, il veut avoir une finale Réunion Mayotte, c'est fait. Qu'est-ce que vous lui répondez? C'est un plaisir qui est partagé.
Merci. Voilà, un plaisir partagé. Effectivement, Bertrand, Fernand Chalcune a raison. Hein. Seulement 6 buts encaissés, ça veut dire que la sélection de La Réunion a sacrément durci sa défense. 6 buts encaissés en deuxième mi-temps, ça aussi c'est fort côté réunionnais. Si on pouvait récupérer le capitaine ou un joueur de La Réunion là, qui fête ensemble au milieu du terrain leur succès, on rappelle le score, hein, 32-20. Et il y aura donc une double confrontation en finale, mon cher Fred Valiamé. Réunion-Mayotte chez les dames, Réunion-Mayotte également chez les hommes. On en salive d'avance. Ce n'était pas les finales attendues. Mais bon, je pense que de ce côté-là, ça va encore être du très très beau spectacle. Allez Pascal, vous allez récupérer certainement un joueur réunionnais. On va pas tarder à récupérer le capitaine. On laisse avec leur cri de joie. Allez, je crois que Romain, il est pas trop loin. Voilà. Oui, avec le capitaine. Romain, on va juste mettre près de la caméra. Alors, Romain, j'imagine finalement. Très très beau succès, on a eu chaud en première période et finalement La Réunion fait le métier, vous êtes en finale, c'est le plus important. Oui, on savait que ça n'allait pas être un match facile, Madagascar, on a bien entamé la première mi-temps et on pensait largement mener, Mada a grignoté au fur et à mesure, nous on a eu un petit coup de mou, mais on s'est bien ressaisi en deuxième et maintenant on est en finale et il ne nous reste plus qu'un match pour prouver vraiment qu'on voulait cette médaille d'or là. Réunion-Mayotte, c'est aussi bien chez les filles que chez les garçons. Le Cash Maoré vous a donné rendez-vous pour la finale. Il disait tout à l'heure, moi je veux la Réunion finale. Qu'est-ce que vous lui répondez? C'est maintenant la finale, c'est la médaille d'or. Moi je dis que le meilleur gagne. Hein, et on verra ça demain. Et voilà, quoi, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà de très sages paroles signées Romain Calix. En tout cas, ce soir, les handballeurs réunionnais se sont trouvés un nouveau supporter puisque le préfet de La Réunion, M. Sorin, était présent. Et assister donc avec un certain plaisir à cette finale. Allez, une dernière réaction au poids à la route, mon petit Pascal, avant de rendre l'antenne à Saint-Denis. Oui, avec Laurent Gontier, un petit mot avec Laurent. Laurent, finalement, l'important est là, La Réunion est en finale. C'était difficile en première période d'être bien démarré, mais l'important, c'est le score. Hein, c'est le score avec maintenant une passe en finale. Qu'est-ce que vous attendez maintenant pour demain? Demain, ça va être autre chose. Parce que l'équipe est meilleure et il faudra être mobilisé tous ensemble, l'équipe, et pour pouvoir gagner. Alors, un petit mot, comment vous expliquez un petit peu cette baisse de régime en fin de première période? On vous a senti un peu, après un bon démarrage 7-1, finalement vous terminez mal en fait la première période. Un peu de déchets en attaque, la défense allait, mais on prenait que des buts en contre-attaque. Et bêche de régime, on l'a fait tourner, on était un peu fatigué aussi, on a bien démarré. Et beaucoup de déchets, trop de déchets en attaque. Merci Pascal, merci. Bravo Laurent, encore Laurent Gontier. On rappelle la victoire de la sélection de La Réunion, 32-20 contre Madagascar. Merci Fred d'avoir été avec nous pour faire vivre aux téléspectateurs cette deuxième demi-finale. Et on vous donne rendez-vous demain pour les finales. Finale fille, finale garçon, ici même en direct du gymnase gymnase Daniel Nars, si j'allais dire Chancellerie. Et encore une fois, un grand merci à toute l'équipe de Patrick Nerlo, toute l'équipe technique qui a permis de faire cette belle réalisation de match de handball sur Réunion Première. À demain donc pour les finales. Et bonne soirée. Au revoir.